statue de Françoise Cézeli. Donc là, nous sommes sur la petite placette de Leucate Village. Alors, je te recommande mon pipeau parce que tu vois, il y a des restaurants, il y a des petites boutiques, tout ça. C'est dans le centre du village. Là, quand même, l'été, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. On est à 5 km de la mer, même pas. On est à 3 km de la plage. Et voilà, c'est un endroit qui est croquignolé. Voilà, là, un petit restaurant. Papilles et nature. Ensuite, ici, là, il y a un primeur. Et ensuite, là, regarde. Nicolas Galthié, peinture, maison d'hôtes. Tu vois là, je te donne des idées, Pipo. Hein? Regarde là comme c'est joli. Voilà. Là, il y a le bureau de tabac qui est juste en face. Donc là, faut se trouver une maison. Celle-là, là, elle est sympa. Là. Celle-là. Ou alors celle-là. Un peu plus petite, mais très chouette. Voilà. Là, une petite boutique. Très sympa. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent là. Des souvenirs. Voilà. Et là-bas, voilà un café, un restaurant encore. Voilà, un glacier. Bon, alors, inutile de te dire, mon pipeau, que l'été ici, c'est noir de monde. Là, il y a un bijoutier. Donc, c'est cool. Et là, ici, c'est la rue principale de Leucate Village. Là, ici. Voilà. C'est là, qui est traversé par la rue principale. Et là, une autre vue. Et là-bas, juste à côté, là-bas, derrière, là. Voilà. On voit le magnifique petit clocher. Magnifique petit clocher de Leucate. Qui est là. Alors ensuite, juste à deux pas, il y a le château, qui est une curiosité archéologique et touristique. Il y a plein de touristes qui vont voir le château là-bas. Sur la butte, là, qui est juste derrière, là. Là-haut, là. Là, on devine un petit peu, là, voilà, derrière. Un château qui est assez énorme, tu regarderas sur les photos. Voilà mon pipeau, je t'ai donné des bonnes idées pour l'année prochaine.